titre que vous cherchez parmi nos 1200 films en tapant 3615 code Filafilm. Et pour recevoir notre catalogue, appelez le 32 64 80 24. M'empêcher de caresser un visage recouvert de verrues rugueuses masculines. Et n'oubliez pas, Verrues à Gogo est la seule crème qui vous garantit de nouvelles et stupéfiantes verrues ou qui rembourse votre argent. Oh, Veruca, ma chérie, épouse-moi! Arrête ça, Frax! T'es en train de dégouliner ta barbe sur l'écran! Frick, Frax! Ah, alors, on regarde encore la télé crapaud durant le service! Non, général! Oui, mon général! Ah, venez maintenant! C'est l'heure pour la cérémonie de décernement de mon prix! Ce n'est pas tous les jours que j'envahis et réduis en esclavage toute une planète! Et mieux que tout, la planète où vit mon plus grand ennemi, Bucky O'Hare! Bucky, j'ai localisé ce signal de détresse. Bon travail, Jenny. Qu'avons-nous? Les détecteurs montrent que le signal vient de l'intérieur d'un bateau crapaud. Et je vois 6 avions de chasse d'escorte. Seulement 6? Attention, tout le monde, à vos postes! Préparez-vous à une confrontation justifiée avec un escadron de chasseurs crapauds! Et voilà les mots magiques, Bucky, mon garçon. Ça fait bien longtemps que ce vieux canard d'œil n'a pas combattu des petits crapauds. Salle des machines, au rapport. Androïde de première classe, Cyclore, au rapport, monsieur. L'ingénieur chez vous est très pris par l'observation d'un accélérateur de photons. Oh, mais quel temps de ferraille! Je n'aime pas le bruit de cet accélérateur de photons, mon capitaine. À mon avis, il est grand temps de lui faire sa révision des 100 000 années-lumière, ouais.
Il faudra bien qu'elle marche, Bruce. D'accord, mais ce bruit ne me dit rien qui vaille. Jenny, toi et Bruce, formez une équipe d'abordage et prenez le contrôle du vaisseau négrier. Canard d'œil, nous nous occuperons des escorteurs. On va traiter les crapauds. Escadron, écoutez-moi. Vaisseau ennemi dans le secteur 4 qui se rapproche, prêt pour interception. Préparez-vous pour les manœuvres de diversion. Non, essayons tout ça, petite mouche visqueuse. Regroupez-vous, suivez-moi. Numéro 5, arrêtez le tir, vous allez endommager la cargaison. Équipe d'abordage en action. Joli coup, canard d'œil. Ah, c'est rien. Je pourrais affronter ces crapauds avec trois bras attachés dans le dos. Vous vous battez comme des têtards à peine sortis des mares et impulsion radar de flair. Les intrus ont fait irruption dans la navette. Une équipe de secours au sas numéro 3. Et que ça saute. Éclatez un garde-poing devant notre porte. Non mais tu imagines, deux de ces peluches idiotes veulent nous attaquer. Attends, ils ouvrent le sas. Ils nous voient ici, ils vont s'évanouir en moins de deux. Oh mais ça sera comme attraper des mousses dans une bouteille. Rendez-vous au nom de l'Empire des Crapauds. C'est à moi de vous parler. Bruce, attends. Désespérant. Une fois qu'ils perdent la boule, on ne peut plus les tenir. Stop. Vous êtes en état d'arrestation, d'opposer aucune résistance. À vrai dire, beau gardroïde, l'idée de résister ne me tente pas. Je pensais plutôt vous démonter. Ah, oh. Laisse tomber, ce n'est qu'une chatte. Nous pensions que tu allais être un babouin délirant. Oh, quel soulagement. J'ai comme l'impression qu'on est en train de m'insulter. Crapaud. Eh, Bucky, ils ont compris. Ils évitent d'entrer dans ma ligne de tir. J'ai vu, nos boucliers en prennent un sacré coup. Mais nous devons les attirer aussi loin que possible du vaisseau négrier. Oh, c'est malin. Eh, hey, Willy le bizarroïde, qu'est-ce que tu penses du style déco de ton casier, Willy le bêta? Doug McKenna, j'en étais sûr. Doug doit être le seul mot assez court que tu saches épeler. Petit malin, je vais te donner un dernier avertissement. T'as de trop bonnes notes. T'es le premier en maths, en sciences, tu nous portes préjudice. Va falloir réduire la vitesse. Mais j'adore les maths et les sciences, c'est facile. Écoute, bouchon à la noix. La semaine prochaine, il y a un examen de maths. À ta place, je décrocherai un zéro. Sinon, je vais t'arracher le nez du visage. T'as compris? Canard d'œil, prêt pour un looping arrière? Mangez ça, espèce de tête à verrue, vite, à valeur de foutaise. Ah,
navire se venger. Il se réduira en bouillie de la misère. Et toi, va dire à ton général Bidon que le capitaine Bucky O'Hare, de la juste indignation, exige une retraite immédiate de tous les vaisseaux crapauds de l'espace des mammifères. Sinon, il aura affronté la colère de la flotte de l'espace des animaux unis. Mon général, Bucky O'Hare vient de libérer le dernier vaisseau négrier et a détruit cet avion de chasse. Bucky O'Hare ? Bucky O'Hare ! À chaque fois que je tourne la tête, ce lièvre infernal en profite sur les trônes. La situation empire, ce mammifère innommable nous a menacés avec la flotte de l'espace des animaux unis. Alors ces horribles boules de poils ont réuni une flotte, c'est bien ça ! Je vais les écrabouiller, envoyer tous les avions de chasse au combat, parcourir l'espace jusqu'à ce que vous trouviez la juste indignation. Bucky O'Hare doit mourir ! Lucky, il va falloir que tu te prépares au pire. Ça va être très dur pour toi. Dur pour moi ? Vive Bucky ! Vive la frère ! Vous êtes des lièvres. Mais cela veut dire... Non, c'est impossible. Et si les crapauds ont conquis notre monde Warren ? Tous les autres ont été emmenés en esclavage dans les usines crapauds. Nous étions les derniers. Là, ils sont allés trop loin. C'est une affaire personnelle. Je ne permettrai pas que ces crapauds, mangeurs de mouches, archigluants, contrôlent ma planète. Tu dois rester fidèle à ta mission et sauver le reste de l'univers. Va voir le conseil sur Genus et avertis-les du danger qui les menace. Allons sur Genus. Willy, tu n'aimes pas les Toffee Burgers ? Oh, je n'ai pas très faim. Qu'est-ce qu'il y a, fiston ? Pas. Si tu savais que quelqu'un allait te frapper parce que tu as fait quelque chose que tu estimes très important, tu le ferais quand même, dis. Fiston, peu importe le prix à payer, il faut toujours faire face. Et s'assurer, par exemple, quand tu seras grand, qu'il y aura encore des baleines, des hiboux et une couche d'ozone. Oh, David, la manifestation, il faut filer. Mais qui ? On s'approche du système de défense de Genus. Ah, je meurs d'impatience de descendre ce fichu vaisseau. Oh non, on nous attaque ! Les lièvres n'ont pas attendu que je leur envoie les codes de permis d'entrée. Le système de défense de Genus va les détruire. Je vais envoyer les parasites. Transmets les codes. Transmission des codes de permission d'entrée. Orwell a donné aux deux vaisseaux la permission d'entrée. Cette session spéciale du Conseil de sécurité des animaux unis est déclarée ouverte. Je viens juste d'apprendre que le capitaine Bucky O'Hare... O'Hare est parmi vous, membre de la session. J'ai demandé une flotte... Et vous ne m'avez donné qu'une misérable frégate. Maintenant, les crapauds ont conquis mon propre monde. Genus est elle aussi menacée. Les crapauds ont tout détruit. Et ils ont réduit tous les lièvres en esclavage dans leurs usines. Oh non, je ne peux pas en parler. C'est trop affreux. Excusez-moi. Ah, tout ce bruit est en train de m'énerver, petit garçon. Ah, c'est mieux. Bien, écoutez-moi. Je ne peux pas bluffer les crapauds à l'infini. Et il faudra quelque chose de plus que la juste indignation pour les arrêter. Vous devez construire d'autres vaisseaux avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, nous serions très heureux de vous donner ou de construire d'autres vaisseaux, mais c'est une question de budget. Il nous faut des preuves documentées des atrocités qui ont été faites. Si vous voulez des preuves, je vous en donnerai. Là ? Vous offre le visqueux, la miche des mouches compressées, fabriquée à partir de méga-mouches de première qualité. Pas de moucherons, pas de scarabées, seulement des mouches écrasées. Une délicatesse avec une pulpe épaisse et gluante. Général, à votre service complexe, avez-vous éliminé Bucky O'Hare ? Mes vaisseaux le recherchent activement, je vais le trouver, complexe. Ne me déçois pas, général, je t'ai à l'œil.
Je viens de repérer l'ennemi. Tous les vaisseaux dans le secteur 8, à l'attaque! À toutes les escadrilles, à l'attaque! Mes détecteurs s'affolent complètement! Tout y avoir 50 crapauds! Les boucliers arrière vont lâcher! Tout le monde! Prêt pour le saut hyperespace! Capitaine, toutes ces secousses ne font pas l'affaire de l'accélérateur de photons. Il faut que je le bricole. Tu as juste une minute. Les deux moteurs principaux sont grillés. Il faut gagner du temps pour Bruce. Rien ne peut plus échapper à la vue de Canard d'œil. Nous le tenons, ça va me valoir 10 médailles du mérite. Envoyez tous les vaisseaux des secteurs 5 et 6 et détruisez-le. Cyclore, Bruce, il nous faut cet accélérateur immédiatement. Oui, capitaine Noël. Partout les becs, ce morceau de ferraille est en train de rendre l'âme. C'est bizarre. On y va. Capitaine, calamité et désastre! Le chef ingénieur Bruce a été aspiré dans une autre dimension! Par l'accélérateur de photons! Jenny, je te laisse les commandes du vaisseau. Je dois absolument essayer de sauver Bruce. Oui, capitaine. Pauvre Bruce, il va nous manquer. C'est sérieux, Cyclore? Je dirais même que c'est catastrophique, monsieur. Votre humble robot a remplacé les micro-circuits, mais il ne peut pas prévoir les conséquences imprévisibles d'une remise en marche de l'accélérateur. Bucky, nos boucliers sont prêts à céder. Si nous ne partons pas dans 30 secondes, ce sera trop tard. Nous avons le choix entre une destruction et le vaste inconnu. Et en vérité, nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, j'ai mis au point le dernier réglage. Maintenant, j'allume. C'est un bruit bizarre. J'ai dû changer de phase d'une manière ou d'une autre. Non, pas. Si vous écoutez cet enregistrement, rappelez-vous, je l'ai fait au nom de la science. Hey, l'accélérateur est hors phase. Il absorbe toute l'énergie de son proche environnement. On dirait une espèce de gelée de mur scintillante. Qui est là? Qui est là? Hey, Bucky! Les canons sont morts! Bucky, nous sommes entourés par une sorte de champ magnétique impénétrable. Rien ne peut entrer ni sortir. En bas, ce n'est pas mieux. Viens voir. Regardez-moi cette taille. Oh! Essayez ça sur la veste en l'air menaçant. Ne tirez pas. Ce n'est qu'une lampe de poche. Je suis un ami. Relax, canard d'œil. Vous êtes un lapin vert? Je suis le capitaine Bucky Hauer de la frégate des Animaux Unis, la Juste Indignation. Voici mon artilleur, Canard d'œil, mon second génie et l'androïde de première classe, Cyclore. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Willy DeWitt et je suis, un garçon, ça a l'air bizarre. Je suis un humain d'un autre univers. Humain? Il doit s'agir d'une sorte de babouin mutant sans poil. Il se peut que ce passage soit le résultat de la modification de phase de mon accélérateur de photons. Oui, le maillon, c'est l'accélérateur de photons. Le nôtre aussi est hors phase, à cause des dommages subis lors du combat. Qu'est-ce que c'était? Les canons à plasma des crapauds tirent assez fort pour secouer tous les champs magnétiques. Des crapauds tirent sur vous? Oui,
Si nous ne parvenons pas à réparer l'accélérateur, ils vont nous faire prisonniers et conquérir tous les mondes libres dans l'univers. Dis donc, les gars, vous êtes vraiment dans le pétrin. Je peux vous aider? Non, il faudrait que tu puisses réparer un accélérateur de photons Mark 4. Réparer? Oh, je viens d'en construire un. Bon, je vais chercher des bricoles. Hein. Je n'aime pas l'allure de cette arme, capitaine. Je vais la prendre, la confisquer. Tu as raison. Lucky, tout ceci est incroyable. Je veux dire, je suis jamais allée dans un autre univers. Mais les principes de physique doivent être les mêmes. À quelques exceptions près. Ça devrait suffire. Quand j'activerai le moteur, vous perdrez définitivement le champ magnétique. Mais Willy, tu risques de perdre ta porte. Eh bien, elle reviendra quand nous n'utiliserons plus le moteur. Enfin, je l'espère. Tu ferais mieux de retourner dans ta dimension, Willy. Non, je reste avec vous tous. Certaines choses sont si importantes qu'il faut avoir le courage de faire face. Willy DeWitt, tu es un humain très très courageux. Tout le monde à son poste, tenez-vous prêts. Willy, maintenant c'est à toi de jouer. L'escadron au signal, et feu tous ensemble. 3. D'accord. 2. 1. Dans le prochain épisode palpitant de Bucky O'Hare contre les crapauds, Willy rejoint le groupe. J'ai douté de toi, mon vieux, mais je te donne deux de mes mains pour sceller notre amitié. Est-ce que tu aimerais être notre nouveau machiniste? Oh, moi? Oh, c'est vrai? Oh, et comment? Il voyage vers la planète détruite de Bucky. Warren n'a jamais ressemblé à ça. C'est horrible. C'est pire que tout ce que j'ai pu imaginer. Ah, ça sent vraiment mauvais. Mais pourront-ils mener à bien leur mission alors qu'un agent secret s'est glissé parmi eux? Malabar, Canard d'œil veut te parler immédiatement. Toi aussi, Cyclope. Dis-le. C'est cet ignoble lézard! Je savais bien qu'on pouvait pas lui faire confiance! Hello de l'ordinateur! Transfert du système de sécurité des codes d'effacement! Malabar, il faut sortir de là! Il s'est enfui! Ne manquez pas le prochain épisode de Bucky O'Hare! On ne peut pas le laisser s'échapper avec les codes! Peu importe le prix! Je t'y tiens maintenant, Bucky O'Hare! Une autre galaxie, un univers parallèle a été détruit. Voici surgissant du chaos et brisant la glace, les aventuriers animaux venus de l'espace. Bucky, Captain Bucky O'Hare. Mutants and aliens and don't beware. Vous qui cherchez l'aventure, on vous invite. Voici Jenny Della, Blinky et Winnie the Week avec Bucky, Captain Bucky O'Hare. And now, now that I'm Bucky O'Hare and to watch. Dans la bataille de l'univers, pour avoir des réflexes, car ces amphibiens de misère l'ont rendu complexe. Et si t'as sur ton scalaire des traces du PO, t'as plus qu'une seule chose à faire, détruire les crapauds. Bucky, Captain Bucky O'Hare. Par là où nous allons, aucun n'a pas ordinaire. Si l'on anéantit ta juste indignation, and you fall an accelerator, a rocket of beat. Si t'as plus de solution, si tu perds la raison, appelle le lapin rusé, il va tout arranger. Bucky, Captain Bucky O'Hare. You're looking for adventure. Les gars, vous connaissez plus d'infos que nous? Oh non! Crapaud pustuleux contre Bucky O'Hare et ses amis Canard d'œil et Willy DeWitt. Bah! Ça pue le crapaud ici! Eh oui! Bon, dans l'œil! Ah, c'est sûr, on va tout faire péter! Bucky O'Hare! La guerre des crapauds! Dans une autre dimension, une autre galaxie, un univers parallèle a été détruit. Voici surgissant du chaos et brisant la glace, les aventuriers animaux venus de l'espace. Bucky, Captain Bucky O'Hare. Mutants and aliens and don't beware. Vous qui cherchez l'aventure, on vous invite. Voici Jenny Della, Blinky et Winnie the Week avec Bucky, Captain Bucky O'Hare. And now, now that I'm Bucky O'Hare and to watch. Dans la bataille de l'univers, faut avoir des réflexes, car ces amphibiens de misère l'ont rendu complexe. Et si t'as sur ton scalaire des traces du PO, t'as plus qu'une seule chose à faire, détruire les crapauds.
Si t'as plus de solution, si tu perds la raison, appelle le lapin rusé, il va tout arranger. Bucky, Captain Bucky O'Hare, you're looking for adventure. Dans notre dernier épisode, Bucky O'Hare, capitaine de la Juste Indignation, est envoyé en mission périlleuse par la Fédération des Animaux Unis pour ramener des informations sur l'attaque éclair de l'Empire des Crapauds sur Warren Sapatri. Il est aidé par Canard d'œil, maître canonnier, ex-pirate de l'espace. Son second génie, un mystérieux chat aldébaréen qui a des pouvoirs magiques. Cyclore, un androïde de première, et le chef mécanicien en chef russe, un babouin bételgeusien et furieux. Il se trouve accidentellement happé dans une autre dimension par un accélérateur de photons qui fonctionne mal et laisse la Juste Indignation à la merci des crapauds. Quel malheur! La seule chance de survie tient à l'apparition d'un garçon génial, Willy DeWitt. Ici Andy Phibia, en direct pour TTN, le Network Crapaud. Le célèbre Bucky O'Hare a essuyé une dérouillée bien méritée. Deux de ses moteurs sont endommagés et il est totalement encerclé par l'impressionnante armada des crapauds. Bon, ça devrait aller. Mais quand je rebrancherai l'accélérateur, on risque de perdre le champ de stase. Tous à vos postes! Escadron, tenez-vous prêts! Et à l'envoi mon signal! 3... Attention, prêt! 2... 1... Accélérateur, en marche! Jenny, prépare-toi à pousser les moteurs à fond! Vas-y! Les crapauds gagnent du terrain! Espérons que Willy l'humain sait ce qu'il fait! À vos postes! Préparez-vous au saut dans l'hyperespace! Chef d'escadre et sommaire! Et les chefs sont enfuis dans l'hyperespace! Fouiller chaque secteur! Non, tu me fais perdre assez de temps. Rappelle tes vaisseaux. Mais je vais les retrouver, alors. Silence! Est-ce qu'un vaisseau de mammifères peut faire contre les forces équipes de tout l'Empire des Crapauds? Nous devons éliminer le problème à sa source. Le cœur de la coalition des mammifères, Genus. Mais Genus est protégé par le système de défense le plus meurtrier de l'univers. Il peut même détruire un vaisseau amiral complexe. Oui, j'en suis conscient et c'est pourquoi tu voulais utiliser un espion. Extrêmement astucieux et compétent pour se procurer les codes d'élimination du satellite. Tu as 48 heures, ne me déçois pas à nouveau. Arrivé, message très urgent pour Major Crapaud. Grand costaud, nous avons besoin de tes services. Comme tu peux le voir, je suis très occupé. À moins que ton projet m'intéresse. Ah, nous voulons les codes de défense du système de défense de Genus. Ah, très difficile. Ça va vous coûter 5000 simoléas. 5000 simoléas? C'est de l'escroquerie, c'est du chantage. Bien sûr, mes deux spécialités. La moitié maintenant, la moitié à la livraison des corps. D'accord. Tu as 48 heures, c'est tout, terminé. Merci, tu nous as sauvé la vie. Oh, ça n'est pas grand-chose. Ah, j'ai douté de toi, mon vieux. Mais je te donne quelques-unes de mes mains en signe d'amitié. Et pour te prouver ma bonne foi, voici ton arme que j'avais prise. Confisquée dans ta pièce. Canardeuse, ce n'est que... T'en fais pas, mon vieux. Je sais que c'est une arme de babouin chauve et traite et que ça convient très bien au vieux canardeuse. Tu sais, Willy, on a perdu le mécanicien en chef, notre Bruce, le babouin. Et un jour, quand tout ça sera terminé, on le retrouvera. Mais en attendant, aimerais-tu devenir le nouveau mécanicien? Moi? C'est vrai? Ah ouais, je veux bien, ouais, mais il faudra que je rentre de temps en temps. Oh, bien sûr, je suis content, mais je dois aussi voir mes parents aller à l'école et tout. Mais là, maintenant, tu peux rester et nous aider dans notre mission. Oh, bien sûr. Mais j'étais en train de me demander si les crapauds avaient toujours été aussi méchants. Permettez-moi de proposer mes services. Je vous fais un bref résumé historique des crapauds à partir des archives de Genus.
Autrefois, les crapauds étaient une race pacifique, accumulant avec passion des produits de consommation mal fabriqués et coûtant très cher. Les techniciens crapauds ont créé un réseau informatique mondial, contrôlé par l'intelligence artificielle appelée Complexe. Complexe devait résoudre les problèmes de réseau, contrôler les taux d'intérêt et faire toutes les corvées que les crapauds refusaient de faire. Mais un jour, les crapauds s'aperçurent que Complexe avait pris le pouvoir. Il devint leur maître, et non leur serviteur. Complexe les embarqua dans la guerre et détruisit tous ceux qui tentaient de l'arrêter. La surface entière de leur patrie est maintenant recouverte d'usines qui s'enfoncent à 7 niveaux différents sous terre. Elles fabriquent sans fin des vaisseaux de guerre, crapauds et des armes avec pour but la domination totale de l'univers par les crapauds. Ouais. Et combien de vaisseaux avez-vous ? Celui que tu vois. Voyons, la tenue de combat de rechange de Bruce devrait être par là. Ah, la voilà. Tu ferais mieux de la mettre, juste au cas où on aurait des problèmes là-bas. Là-bas où ? À Warren, d'où je viens. Montre-lui, Cyclone. Approchez-vous, s'il vous plaît, et regardez la cassette publicitaire de l'Office du tourisme de Warren. Venez à Warren, le pays de tous les sports et de tous les jeux connus dans l'univers. Venez jouer au golf sur notre cour de plusieurs hectares, le plus grand dans le quartier Beta. Appréciez notre climat idéal, notre air sain et nos merveilleux paysages. Détendez-vous sur nos éblouissantes plages blanches. Oui, venez à Warren, où chaque jour est un jour de vacances et où toute la famille peut s'amuser. Et maintenant, les crapauds l'ont conquis. J'ignore ce qu'on va y découvrir, mais cela risque d'être abominable. Regardez ces nuages. Warren n'a jamais ressemblé à ça. C'est horrible. Mon pauvre pays. Que tout ce que j'ai pu imaginer. Ça sent très mauvais. L'analyse révèle un taux important de méthane. Ils ont fait de ce paradis un marécage. Mais ça voudrait dire changer le climat de toute la planète? Personne ne peut le faire. Il semblerait que les crapauds le peuvent. Il n'y a pas d'autre explication. Venez vite! J'ai trouvé quelque chose. On dirait un communicateur de crapauds. J'ai l'impression que cette cassette est toujours bonne. Peux-tu la lire, Cyclore ? Disquette brouillée. On va tenter de sortir ce qu'il reste. 5% est récupérable. Test réussi du convertisseur climatique accompli. Retour à la base pour l'invasion de Genus. Il faut prévenir Genus. Dépêchons-nous ! Votre commande est prête, Crocosto. Un chopper garanti pour faire le transfert de tout système de sécurité. Votre neutraliseur et l'interrupteur pour brancher tout ça. Ah, Tinker, vous êtes une bénédiction pour les espions. Oui, mais gardez vos salades et montrez-moi vos mazumas. Quelle insulte, Tinker. Vous pensez que Crocosto est un mauvais payeur, hein? Tinker, ouvrez. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. Oh non, c'est le capitaine Molosse. Oh là là. Désolé, Tinker, mais c'est moi qui passe le premier. Investi par la suprême autorité du Conseil de sécurité de la Fédération des Animaux Unis par la présente... Il est complètement froid, capitaine. Quelqu'un est passé avant nous. Il y a effectivement une odeur. Ça s'arrête ici. Qui que ce soit, il s'est fait la malle. C'est pas grave. Nous avons accompli notre mission. Allons faire un rapport au Conseil. Tu sais, il faut que je revienne sur Terre pour ne pas rater l'école. Je suppose qu'on va devoir engager un autre mécanicien. Où est ton casque? Je vais le chercher. On ferait bien de tenir Willy au secret pour le moment au cas. Bucky Howard. Bucky, tu peux compter sur moi, Bucky. Malabar.
Il doit être au courant, pauvre Bruce. Je vais rendre à ces crapauds ce qu'ils ont fait à mon cher Bruce. Ils vont le payer très cher. Mais tu n'as pas besoin de me le dire deux fois. Je pourrais avoir besoin d'un mercenaire de l'espace. Ouais. Je vais les écrabouiller, les concasser, les réduire en bouillie. Malabar. Et ensuite, je les écraserai, les piétinerai. Garde à vous. Vous êtes engagé. Prenez la garde du vaisseau. À vos ordres, commandant. Bruce. Bruce, tu es vivant. Tu es vivant. Mais laisse-moi, espèce de gros babouin. Je peux pas respirer. T'es pas un babouin. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce costume de mon compagnon, hein? Malabar, veux-tu lâcher? Willy est gentil. Willy, ami. Réparez l'accélérateur de photons, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à un ami, maître Malabar. Ah, bon, ben, si tu le dis, Cyclore, hein. Désolé, Willy. Oh, pas de problème. Willy, c'est toi le responsable. Jusqu'à ce qu'on revienne du conseil. À vos ordres, capitaine. Se mettre Malabar dans la poche, ça fait un bon paquet de muscles de notre côté. Une fois qu'on aura trouvé un mécanicien, on sera prêt pour l'action. On peut arranger ça, capitaine Orel. C'est réellement terrifiant. Les crapauds ont réussi un retournement climatique planétaire. Et Genus est la prochaine cible de l'armada des crapauds. Absurde, ils n'oseraient pas. Pas avec notre système de défense. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de déployer notre flotte spatiale. La voici. Destinée manifeste. Je suis effondré. Oh, mais enfin, c'est mieux que rien. Retournons au vaisseau. Ce chemin est réservé aux mécaniciens. Excusez-moi. Êtes-vous un mécanicien? C'est exact. C'est bien ici la juste indignation? Par ici, mon cher. Capitaine Horaire, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Permettez-moi de vous présenter mes références. Crocosto, mécanicien en chef. À votre service, monsieur. Ces références ont l'air bonnes, du meilleur niveau. Curieux, il y a quelque chose chez ce Crocosto qui me fait dresser les cheveux sur la tête. Ça doit être parce que c'est un Slizazor. On dit que ce sont des bons à rien, ces Slizazor. Oui, et remarque, personne ne dit du bien des pirates non plus. Fais pas ça, Bucky. Ok, Crocosto, fais un essai. Capitaine Molos, vous prenez le destiné. Mais certainement, mon ami. Mon équipage est à bord et attend. Ça me rappelle quelque chose. Oui, je vous ai senti déjà quelque part. J'arrive pas à me souvenir. Ah, on dit que nous, les lézards, nous avons la même odeur. Je n'oublie jamais une odeur. À bientôt dans les étoiles. Ce Crocosto me rend très mal à l'aise, Bucky. Je n'ai pas confiance en ce type. Je devrais peut-être rester. Non, t'en fais pas pour nous, Willy. Tu dois retourner à la maison et à l'école. Et c'est un ordre. Très bien, Bucky. Mais je reviendrai dès que possible, d'accord? Faites attention à vous. Au revoir, Willy. Tu cours comme ça, monsieur le génie? J'ai rencontré des crapauds beaucoup plus flippants que vous. Écoute bien, Malkena. T'as qu'à venir me retrouver dans la salle d'études à 3 heures pour qu'on se batte avec mon choix des armes. D'accord. Mais t'as intérêt à être là, sinon... Oh. L'accélérateur de photons est par là. Mais bien sûr, c'est évident. Tu crois que je ne le sais pas. Quel merveilleux vaisseau. Ouais, très impressionnant. Tout a l'air au poil, vraiment. Et l'accélérateur de photons est par là. Ah, toutes ces peaux de banane. Est-ce que c'est une façon de tenir un vaisseau? Nettoyez-moi ça tout de suite.
Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Enlève tes sales pattes de lézard de là, canaille écailleuse! Tu as le culot de mettre ton nez dans les affaires des autres? C'est l'équipement de mon copain! Hein? De l'argent? Après tout, je suis un pirate, mais il appartient à Willy. Et la règle d'or des pirates est, si c'est de l'or, c'est bon à prendre. Et s'il n'en est pas, il est de mon devoir de garder son argent en sécurité. Arme tes petits bras frileux, Minus. Non, c'était mon choix des armes, alors j'ai choisi ça. Tu veux me battre avec une feuille de papier? Je te propose de construire ensemble un skate révolutionnaire. Tu insères un ordinateur qui te permettra une plus grande vitesse et de l'équilibre. Je ne fais pas dans l'idiotie scientifique. Bon, si t'as la frousse... Hé, hey Doug, c'est plutôt chouette. Un ordinateur construit dans un skateboard. Oh, d'accord, on va le faire, mais si j'y arrive pas, tu finis en pâté pour chien. Maintenant, pour quelques micros au crédit par jour, le tout spécial costume de bain paru dans Véru illustré peut-être à vous, porté par le top modèle Véruca. Ouba ouba, baboum! La Véru illustrée, le magazine mensuel des rivalités branchées, est déguisé, style sain et sportif. Ah, bravo, on est occupé enfin! Bravo, Rivalité! La prochaine fois, ce sera le tour de vos têtes. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Crabe-Rive! Oui, je suis responsable de l'opération d'invasion de Genus. Oui, mais c'est mon vaisseau! À présent, il est à moi. Des objections? Non, aucune. Bon, d'accord, qui te le dit? Complexe a perdu confiance en toi. Je suis ici pour assurer le succès de l'invasion. Où est passé ton espion avec les codes d'effacement? Il est en route. Il a tout intérêt. Malabar, Canard d'œil aimerait vous parler à tous les deux, toi et Cyclore. Sans problème. C'est cet ignoble lézard! Je savais bien qu'on ne pouvait pas lui faire confiance! À nous de l'ordinateur! Transfert du système de sécurité des codes d'effacement! C'est qui? Quelqu'un manipule nos fichiers informatiques avec un snooper! Crocosto! Pourquoi est-ce que je n'ai écouté personne? Malabar! Il faut qu'on sorte de là! Ouais, chef! À vos ordres! Il a fichu le camp. Où va-t-il? Il n'a nulle part où aller. Il s'échappe à bord du crapaud-cible. Je vais le poursuivre. Et si je me payais un joli petit carton, Bucky? Vas-y! J'espère que ce skizazor ne leur fait pas d'ennui. Il a l'air tout sauf d'un mécanicien. Salut, Malabar, Cyclore, alors quoi de neuf? Oh, par les étoiles! Un vaisseau mère crapaud! On ne peut le laisser s'échapper avec les codes. Peu importe le prix. Détruis le crapaud-cide juste en dessous de lui. Ah, je te tiens maintenant, Bucky O'Hare. Ah! Ah! La porte! Jenny, rien de cassé? Crocosto a saboté tous nos contrôles. Nous sommes perdus! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, Willy, content de te voir. Tu as plutôt mal choisi ton moment, tu sais. Ah, il est entre nos mains. Ce que tu as pu mourir. Ah, allez me fermer le chat. On
entre les mains des impitoyables crapauds, Bucky doit faire face au suprême guerrier crapaud-rible dans une grande bataille pour sauver la vie de toute une planète. Ne manquez pas ce passionnant épisode de Bucky Howell. Dans une autre dimension, une autre galaxie, un univers parallèle a été détruit. Voici surgissant du chaos et brisant la glace, les aventuriers animaux venus de l'espace. Bucky, Captain Bucky Howell. Mutants and aliens, and don't beware. Vous qui cherchez l'aventure, on vous invite. Voici Jenny Dead à Bucky Hill. Dans la bataille de l'univers, faut avoir des réflexes. Car c'est sans fil de misère, l'eau rendu complexe. Et si t'as sur ton scalaire des traces du PO, t'as plus qu'une seule chose à faire, détruire les crapauds. Bucky, Captain Bucky Howell. Pas là où nos allées, aucun lapin ordinaire. Si l'on anéantit ta juste indignation, and you fall an accelerator, rocket of beat. Si t'as plus de solution, si tu perds la raison, appelle le lapin rusé, il va tout arrêter.